Hier, j'ai fait une dinguerie, faut trop que je vous raconte. J'étais sur Fortnite et j'ai remarqué que les murs formaient une ombre. J'ai donc pensé que si on construisait un grand mur, ça créerait une énorme ombre qui plongerait la map dans l'obscurité totale. Pour tester cette théorie, je suis passé en mode créatif et j'ai commencé à construire un mur géant. Par contre, ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu. Et pour couronner le tout, j'ai réalisé que j'avais construit juste en dessous d'une plateforme, ce qui m'a vraiment ralenti en plein milieu de ma construction. J'ai donc construit une box tout autour de la plateforme pour pouvoir ensuite continuer. Après une éternité, j'ai enfin terminé le méga mur. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai voulu monter encore plus haut juste pour avoir un autre angle de vue. Et là, bam, j'ai heurté une dead barrière qui m'a instantanément tué. Et qui a bien entendu détruit tout mon travail. J'étais tellement dégoûté, laisse tomber. Après, j'ai quand même voulu savoir si mon mur avait réussi à plonger la carte dans l'obscurité totale. J'ai donc vérifié les rediffusions, mais malheureusement, ça n'a rien fait. Alors je sais pas pourquoi, mais le mur projette une ombre que sur quelques mètres. Au-delà de ces mètres, l'ombre disparaît et le soleil passe à travers le mur. Et si on s'éloigne de trop, la construction elle-même disparaît. Alors on peut dire que c'est un échec total. Mais au moins, grâce à cette histoire, nous savons que cette théorie ne fonctionne pas. Alors à votre avis, combien de murs j'ai dû placer pour réaliser ce méga mur? Le premier à me donner la bonne réponse gagnera un pack de skins sur Fortnite. Alors bonne chance à tous. Code créateur SCL.